Sylvain, coucou Samuel, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bon, salut Sylvain, salut. Nous on se connaît un peu parce que du coup je récupère Jambette et Veille du lendemain chaque lundi sur Travail Factor. Tu veux dire que je te fournis du contenu gratuitement? Je fournis du contenu gratuitement, mais surtout tu fournis une intelligence digitale à beaucoup merci. De monde. Merci. Samuel, on se connaît pas, ça va faire qu'on se rencontre. Putain, j'adorerais qu'on me dise ça moi comme intro. Ouais. Mais on se connaît pas, mais justement à toi de me dire à quel point t'es formidable. Oh putain, c'est vrai, tu dis ça toi? Ah ouais, je dis ça. Tu t'es ivre encore, non? Bon, alors vous êtes deux bons copains et vous avez justement passé des vacances un peu particulières. Là, c'était au mois d'août, au mois de juillet, c'est ça? C'était fin août, début septembre. Pour Ticket for Change. Absolument. Donc moi j'ai suivi un peu ça grâce à Sylvain parce qu'il décrivait, il relayait un peu tous ces trucs-là sur les divers internets dont il a la possession. C'était ma mission. Et du coup ça m'a donné envie, j'étais un peu curieux de savoir vraiment ce que c'était et de rencontrer des gens qui étaient dedans dans l'aventure depuis pas mal de temps pour m'expliquer justement ce que c'est. Donc du coup Ticket for Change, en deux, trois mots, c'est quoi? Tu penses ou... Ouais, vas-y, attends, je vais en une phrase pour maintenant. Allez, vas-y, ouais. C'est ton travail. Ticket for Change, c'est comment est-ce qu'on aide des individus à mettre leurs talents au service de la société pour changer les choses par entrepreneuriat. Ça c'est le discours vraiment pour le mec qui ça, veut gagner. Ça, je t'ai fait, là je t'ai fait le slogan, Bah, c'est pas évident, c'est assez complexe. Donc c'est pas mal. Hein, c'est pour ça qu'on se fait toujours une petite baseline un peu. Après c'est ok, tu veux changer le monde, tu sais pas comment faire. Et ben nous on t'aide à le faire concrètement, à passer à l'action. Et changer le monde, c'est par rapport au monde de l'entreprise du coup? Non, forcément. C'est plus large que ça. C'est la croyance qui est de dire qu'on ne pourra plus vivre au 21e siècle comme on a vécu au 20e siècle. C'est-à-dire il y a des problèmes sociaux qui sont plutôt en augmentation pour certains. Tu as surtout une barrière environnementale qui est hyper forte. Des choses qui arrivent de dire ok, on ne pourra plus consommer de la même façon, etc. Donc comment est-ce qu'on appréhende ces choses-là et comment est-ce qu'on crée des personnes, entre guillemets créer des personnes, comment est-ce qu'on donne les moyens à des personnes de résoudre ces problèmes-là. Les moyens, c'est pas forcément du financement, on est d'accord? Non, pas du tout. Alors, Sylvain, vas-y, enchaîne-toi. Bah, en fait, concrètement, parce que souvent, effectivement, c'est assez flou à expliquer, etc. Concrètement, c'est. T'as des mecs, on a tous des potes qui sont là qui disent: moi, je supporte pas le gaspillage alimentaire, moi, je supporte pas de voir des SDF dans la rue, moi, je supporte pas de voir des usines et des entreprises qui polluent. J'aimerais bien pouvoir changer les choses à mon échelle. Comment je fais? J'ai pas trop les moyens. Est-ce que je dois m'engager dans une asso? En même temps, je trouve que peut-être elles font pas le taf comme j'ai envie de faire. J'ai envie de bouffer, j'ai envie d'avoir de l'argent par exemple. Ouais, j'ai aussi envie que ça puisse me faire vivre. Donc, c'est des gens qui vont se dire en fait, je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais créer une entreprise comme une start-up ou comme plein de choses, mais c'est pas forcément lié au numérique, qui va avoir cet enjeu en fait au centre, au cœur. Et je vais créer une entreprise avec une super idée qui va permettre de résoudre ce genre de problème à ma petite échelle. Donc, du coup, Samuel, toi, tu es dedans depuis le départ. Ça existe depuis combien de temps c'est une association, Ticket for Change? Ouais, c'est une association, ouais. Combien de temps? Ça fait depuis janvier 2014. Enfin, ça existait un tout petit peu encore avant, mais vraiment le vrai start, c'est janvier 2014. Et toi, tu arrives dans l'aventure suite à une discussion avec Samuel et il t'a récupéré. Ouais, c'est passé comment? En fait, ils font un truc assez rigolo, c'est que bon, ils ont divers programmes dans l'association. Et il y en a un qui est très très marrant qui s'appelle Le Tour en fait. Et Le Tour, c'est t'as 1000 mecs qui posent une candidature, ils en retiennent 60. Qui ont des petites idées de ce qu'ils ont envie de faire, mais pas vraiment de projet vraiment posé. Et en fait, ils vont les foutre dans des bus qui vont faire le tour de la France. On fait Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, dans des ordres, voilà. Et en fait, ils vont rencontrer genre des entrepreneurs qui sont déjà installés, ils vont rencontrer des mecs des startups, ils vont rencontrer des mentors, des types qui bossent dans des accélérateurs, des trucs comme ça, qui vont leur donner les outils, qui vont leur donner la possibilité de mûrir un petit peu leur projet. Et à la fin, ils pitchent à la maison de la radio devant 300 personnes. 800 personnes, pardon. Attention. 1500. Bon, il y avait 3000 personnes, et 3000 personnes, on n'ose pas le dire. En fait, voilà, les mecs, ils sont arrivés 12 jours avant avec une petite idée, tout naïf sur ce qu'ils pouvaient faire. Et ils arrivent au bout de 12 jours avec un truc concret, prêt à se lancer, à faire le premier pas et à créer leur truc. Donc moi je me suis c'est fait... Pour ça, c'est pour ça que je te paye cher en fait. Ouais. Moi en fait je connais Sam depuis un certain temps, on se croise comme ça, il m'avait déjà proposé de faire ce truc l'année dernière et cette année il a profité de ma faiblesse un soir de fête et il m'a dit mais attends, il te reste des vacances, t'es parti en Islande, il te reste des vacances à poser, j'avais plein de vacances, même tu travailles et tout. Je fais ouais un petit peu, il me dit bah viens avec nous, fais le tour, je suis en train de monter une team pour qu'on s'occupe de la communication de ce truc. C'est-à-dire comment on vit le truc de l'interne et comment on utilise les outils numériques qui sont à notre disposition, c'est-à-dire sans achat média, sans vraiment grosses compétences, etc. Le pouvoir de la communauté. Créer une rédac, créer une newsroom qui soit mobile, donc qui suive les mecs pendant le tour, pour vivre le truc de l'intérieur et comment le raconter aux mecs qui ne connaissent pas et aux mecs qui nous suivent sur Twitter, sur Facebook, sur Medium. Et... Ouais, parce qu'effectivement, c'est plutôt bien, parce que moi, du coup, j'ai découvert Ticket for Change grâce à Sylvain, grâce à ses communautés. Voilà. Et derrière, Sylvain, par rapport à ses compétences en tant qu'individu, peut apporter sa pierre à l'édifice.
Oui, mais derrière, ouais. Justement, bah, alors comment on peut faire pour intégrer cette association? Comment on peut faire pour vous faire, faire une démonstration? Parce qu'aujourd'hui, justement, la révision de la radio s'est passée, mais moi, j'ai une envie, une idée. Comment je peux faire pour venir vous voir et, Ok, bah, on a plusieurs choses. Il y a le tout, effectivement, donc c'est pour des jeunes, entre guillemets, de 18 à 30 ans. Et après, on a plusieurs, ce qu'on appelle des programmes déclic, en fait. C'est les fameux programmes qui permettent de passer à l'action. On est très fort en ingénierie de pédagogie, en fait, pour créer ces programmes-là. Et en fait, on a créé un MOOC. C'est un cours en ligne gratuit ouvert à tous. Ça inspire du MIT. C'est MIT qui, le premier, a dit Ok, en fait, là, on a des profs, on les paye un bras, et ils ont, allez, je déconne, 100 élèves par an. Comment est-ce qu'on fait pour, en fait, démocratiser leur savoir et leur rendre accessible au plus grand nombre? Et donc, on a co-créé ça avec HEC, et c'est, en fait, c'est inspiré de la pédagogie du tour. C'est une pédagogie un peu particulière, c'est un peu le. Après, peut-être, Sylvain, ce serait intéressant que tu me dises un peu comment tu l'as vécu. Mais en gros, c'est. Il y a trois phases, quoi. Il y a une phase d'inspiration. Donc, tu dis, ok, ben, je rencontre ces mecs qui me font rêver. Nous, ce qu'on appelle des pionniers du monde de demain. C'est des mecs qui font déjà. Qui sont déjà dans le game, quoi. Qui sont déjà. Et du coup, ça, c'est quoi? C'est comme un TEDx où on rencontre les gens, ouais, à travers des vidéos, ils expliquent leur projet, etc. Ouais. TEDx, c'est immersion terrain aussi. Ok, mec, tu bosses avec des SDF, bah putain, vas-y. Ça, c'est pendant le tour. Voilà, mais ça, pendant le tour, le MOOC, c'est des cours, c'est en ligne, ouais. Des masterclass, ce genre de choses. Bon, il y a aussi Ticket for Action. Vas-y, c'est quoi Ticket for Action? C'est le truc qui vous posez à la télé ou pas? Ticket for Action, c'est le truc sur lequel on est en train de bosser. C'est, en fait, c'est de dire, ok, ben là, on a aidé des mecs, en fait, à faire le premier petit pas. Et par contre, comment on les aide à faire les suivants? C'est-à-dire comment on les accompagne, quoi. Parce qu'on sait que si on faisait juste avec leur embryon d'idées un peu costaud à la sortie de nos programmes déclic, c'est pas forcément le truc le plus simple. Et donc, du coup, c'est, ok, comment est-ce qu'on crée une pédagogie aussi, pareil, pour une pédagogie d'accompagnement des premiers pas. C'est, on n'est pas un incubateur, on a avant. Le but, c'est que les mecs puissent intégrer les incubateurs. Et du coup, de les aider avec de la pédagogie, etc., de tout ce qui est de Lean Startup. Lean Startup, c'est. Je vais dire hyper mal, mais c'est ok, comment est-ce que tu prototypes hyper rapidement ton idée? De toute façon, tu vas te planter, donc tu prototypes, tu vas le tester hyper rapidement auprès des utilisateurs, tu te plantes et du coup ça te permet de changer hyper rapidement et donc d'avoir un projet qui est le plus rapidement possible au moment où tu mets du fric et beaucoup de temps, soit viable. En fait. Je suis pas mal si tu dis ça. Ouais, c'est ça. Dans le jargon des startups, on appelle ça les méthodes agiles où dès que tu te rends compte que le truc marche pas, tu pivotes ou tu transformes. Les mecs sont toujours dans l'action et en fait, si le truc prend pas, bah, c'est pas grave, c'est que c'était une mauvaise idée, mais on a tous nos atouts, tous nos acquis, là, on va essayer de tenter autre chose. De toute façon, une mauvaise idée reste une idée à la base et donc du coup permet de la transformer. On a toujours appris des choses, donc on les remet à profit d'une nouvelle idée. L'asso est plutôt jeune, du coup. Est-ce que déjà ça commence un petit peu à titiller les politiques ou en tout cas les politiques régionaux? Parce que le plus important, finalement, c'est là. On voit qu'il y a la COP21 qui va arriver en France, à Paris, depuis dans quelques semaines, là. Au final, je pense que ça va pas du tout en faire toucher une pour en faire bouger l'autre. Mais bien sûr, mecs en profitent pour en parler, pour se mettre en avant, etc. Ouais, et par contre, je me trompe. Indépendant encore, vous. Ouais, alors nous on fonctionne beaucoup en fait en sponsoring à la base. Parce qu'en fait, il fallait qu'on puisse lancer le truc hyper rapidement. Donc on est. Et puis nous, c'est une croyance aussi qu'on a, c'est de dire ok, mais là il y a des grands groupes, il y a des Danone, il y a des Leroy Merlin, il y a des groupes hyper importants. Qui sont en fait, des trucs qui font déjà des trucs de l'intérieur. Ouais, et donc en fait, ces mecs-là. On ne pourra pas changer le monde sans eux, en fait, ils existent et ils ont 150 000 salariés, donc c'est croire qu'on va réinventer et faire table rase du passé, on n'y croit pas. Et par contre, c'est de dire, ok, bah, on va les prendre avec nous, eux, ils ont des budgets, et donc ils ont des budgets dédiés à ça, donc on a fonctionné en sponsoring pour lancer hyper rapidement. Et en même temps, on est en co-création avec eux, c'est-à-dire le but, c'est d'en embarquer le plus possible dans ce délire-là, c'est-à-dire leur dire qu'à la base, on a touché les individus, puis là, de plus en plus, on commence à toucher les organisations. C'est-à-dire là, on a eu... Sur le tour, pour un ordre d'idée, on a eu des Emmanuel Faber, qui est le directeur général de Danone, qui est intervenu en tant que pionnier. Il a un parcours hyper intéressant là-dessus. Ouais. Quand tu as le CEO de Danone qui vient en mode super intime, devant le parterre des 60 participants qui sont là à l'écouter, que lui te balance qu'il est le CEO d'un des plus gros groupes agroalimentaires du monde, et qui te dit que lui, il est tiraillé tous les jours par les décisions qu'il doit prendre, et en même temps son ambition et ses enjeux sociaux qui lui tiennent à cœur, tu te dis putain c'est quand même fort. Enfin, il y a quand même des mecs très très haut placés qui croient à ce modèle là, et même fait réfléchir. Ouais, et même pour aller plus loin, le truc le plus dingue qu'on ait fait, c'était l'année dernière en 2014 sur le tour. On a fait quand même une rencontre Pierre Rabhi, Emmanuel Faber, et Pierre Rabhi c'est le pape de l'agroécologie.
j'exagère, mais c'est à peu près ça pour schématiser. Et donc c'est assez dingue de se dire, ok, ce type-là qui est paysan philosophe, qui a toujours dit, ok, moi c'est le retour à la terre et c'est montrer qu'un modèle, un autre modèle est possible d'agriculture. Quand t'as lui et le CEO de Danone, Emmanuel Faber, qui se rencontrent, et Emmanuel Faber qui dit, bah ok, bah moi c'est mon modèle, bah putain, ça met des claques quoi. Il dit, ok, moi c'est une source d'inspiration. Et, que, et de l'autre côté, Pierre Rabhi qui dit, et de l'autre côté, t'as Pierre Rabhi qui dit, ok, bah en fait, bah moi, pour moi, il n'y a pas une notion de bien ou de mal, quoi. Il n'y a pas, ah putain, moi je suis le bien, et puis là, en face d'Anand, c'est le mal. Non, c'est les bonnes volontés là où elles sont, il faut changer de modèle, et donc toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Voilà. Donc c'est au final, moi, pour résumer ça, on parle depuis quand même 10 minutes, là. Moi, je me rends compte juste d'un truc, c'est que chaque individu peut changer le monde à partir du moment qu'il est entouré des bonnes personnes et des bonnes intelligences. Et du coup, voilà, j'invite tout le monde à venir vous voir, vous rencontrer pour faire comme moi, boire un verre. Bien sûr, on adore boire des verres. Essayer de changer le monde, boire des petits ricards ou des pains. Bon, mais je travaille pas là-bas, mais ils sont très ouverts et on peut venir les voir et discuter avec eux. Ça, tu vas te décevoir pas mal de filles, là, c'est super intéressant. Bon, allez, moi je vous remercie et merci à toi. On se retrouve sur le site. Ciao. Ciao.